Allez, c'est parti. Je fais ma séance de yoga. Il faut que je reste zen. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très important. Pour mes jumelles. Et pour nous aussi. Mais surtout pour les jumelles. Parce que c'est la première fois qu'elles vont rencontrer leur parrain et leur marraine. J'ai hâte de découvrir leur réaction. Allez, pour finir, cette figure. C'est ma préférée. Avec ça, vous avez des abdos solides. Bon, je vais prendre mon thé. Ensuite, je vais aller prendre une douche. Et j'ai beaucoup de choses à faire. Comme acheter un lit pour mes invités. Et je veux voir si Manny, il est réveillé. Bon, je crois que moi, j'aurai pas le temps. Je dirai à Manny de passer dans le magasin d'IKEA. Alors, oh, il est où Manny? Manny, tu es là? Oui, Miss, regarde dans la salle de bain. Oh, tu es déjà en train de nettoyer? Eh bah oui, ce sont nos invités importants. Et j'ai hâte de voir la réaction des jumelles. Ensuite, si tu veux, je pourrai m'occuper des jumeaux. Non, ça va aller. Tu sais quoi? Va dans le magasin d'IKEA, achète un lit pour le parrain et la marraine des jumelles. D'accord. Je nettoie ça et ensuite, je prends une douche et ensuite, je me change pour aller à IKEA. Ok, vas-y, fais ça. Moi, je vais réveiller les jumelles. Elles vont être toutes les deux surprises. Les filles! Quoi, maman? On a des parrains? Mais tu nous as jamais dit ça? Oh oui, c'est vrai, maman. Pourquoi tu nous as jamais parlé de nos parrains? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont très occupés. Et j'avais peur que, en fait, vous me demandiez de les rencontrer. Et c'était pas possible. Ils ont vraiment un emploi du temps très chargé. Hein? Plus que le tien? Je comprends pas, maman. Ils peuvent être beaucoup plus occupés que toi. Maman, dis-nous tout. Comment ils s'appellent? Ah non, les filles, je vous en dis pas plus. Vous allez les rencontrer et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Moi, pour l'instant, je vais réveiller les jumeaux. Et vous, allez tout de suite vous changer. Go dans la salle de bain avant. Et ensuite, on y va à l'aéroport. Rencontrez vos parrains. Bon, je discute pas, je vais aller préparer les jumeaux. Voici donc le dernier commentaire de la chaîne de Miss Queen qui s'affiche juste devant votre écran et les deux personnes à être abonnées à la chaîne s'affichent ici. Voilà. Si toi aussi tu veux faire partie du journal de Miss Queen, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Allez, on passe pour la vidéo du jour. Et voilà, les jumeaux sont prêts. Reste plus qu'à me changer. Ah, j'ai oublié, la casquette de Hercule. Voilà, ça y est, là, nous sommes prêts. Eh bien, j'ai hâte de rencontrer mes parrains. Qu'est-ce que je vais porter? Il faut avoir une tenue différente. Oh, tiens, celle-là. Mais ça me fait penser à Rose. On va porter ça peut-être. Oui, ça fera moins penser à Rose. J'aime pas le rose. Enfin, pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je vais aimer. On sait jamais. Et je vais prendre ce sac. Voilà. Et ces chaussures-là. C'est bon, je suis prête. Je porte une tenue confortable pour rencontrer mes parrains. Oh là là, mais je sais pas quoi porter. Ah, qui peut m'aider? Bon, c'est pas grave. J'ai de toute façon les plus belles tenues. Je vais porter ça. Plus ça. Voilà. Ensuite, je vais porter le pyjama, on le range ici. Ces chaussures-là. Ben voilà, c'est bon, c'était pas compliqué. Il me faut juste un sac. Et comme sac, je vais prendre celui-là. Ça y est, je suis toujours à la mode. De toute façon, Rose, elle a tout le temps la classe. Allez, j'y go tout de suite. C'est bon, j'ai presque fini. Allez, l'eau va disparaître. Voilà. Je vais replacer ce meuble à sa place. Voilà. Et maintenant, je vais me changer. Ça, on range. Hop. Nous allons rencontrer nos amis après longtemps. Il faut que je sois bien habillée. Ça a l'air parfait. Bon, on reste comme ça. Ah, je vais peut-être prendre ceci. Ouais, c'est bon. Je suis prêt. Allons maintenant acheter ce lit. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon. Je vais partir à IKEA. Ok, vas-y. Oublie pas, hein. C'est un lit pour deux personnes. Oui. T'inquiète, Miss. Je suis trop contente. Je vais enfin retrouver ma cousine lointaine avec mon cousin Tom. Je pense que les deux vont bien s'entendre avec Mia et Rose. Et même les jumeaux. Il faut que j'aille prendre tout de suite une douche. Ah, ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Mes jumelles vont enfin rencontrer leur parrain. Ce sera juste trop bien, trop cool. Ah.
Voilà, c'est bon. La douche, c'est fait. Ensuite, on va tout de suite se brosser les dents. Elle est où ma brosse à dents? Normalement, elle était ici. Bon, on va commencer par mettre un peu de crème. Voilà, il faut bien s'hydrater. Ensuite, mettre un peu d'huile sur la peau. Ça sent bon. Trop bien. Ensuite, je finis par me brosser les dents. Voilà, ça y est. J'oublie pas de mettre ma crème solaire. C'est très important. Hop. Alors, je porte un maquillage? Non, je reste naturelle. Ou peut-être pas si naturelle que ça. Ce masque. Oh, il a l'air cool. Un peu de blush. Ouh. Ça y est, je crois que je suis prête. Maintenant, il faut que je reste dans le thème de ce maquillage. C'est-à-dire choisir les vêtements en vert et orange. Alors, à part ça, je crois que je n'ai rien trouvé. Celui-là ou celui-là? J'hésite. Je pense que je vais prendre celui-ci. Voilà. On n'oublie pas maintenant, hop, de ranger ça, de ranger aussi ses vêtements. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai rangé mon dressing. Et on dirait toujours qu'il est pas rangé. Maintenant, on va choisir des boucles d'oreilles. Quelque chose en vert. Est-ce que j'ai quelque chose? Non, je crois que je vais prendre ces boucles d'oreilles. Avec ça, rien du tout. Je pense que c'est bon. Je porte déjà une bague et une montre. Donc, le reste, on va plutôt ranger. Et les lunettes? Oh, non, pas de lunettes. Ça fera un peu trop, je crois. Bon, bah c'est bon, je suis prête. Allons tous retrouver les parrains des jumelles. Les filles! Oh, les jumelles, vous portez le même short. Oui, maman, c'est pas fait exprès. C'est pas moi, j'ai pas copié Rose. Et moi, j'ai pas copié Mia. Oui, les filles, je sais. Bon, vous savez quoi? On y va. Oh, attendez, j'ai oublié mon sac. Je reviens. Oh my god, il est où mon sac? C'est très important. Alors, on y va. Hop. Alors, comme sac, je vais prendre... celui-là. Il est nouveau. Ça y est, on peut partir. Allez les filles, venez, suivez-moi. J'espère que vous allez bien accueillir vos parrains. Oui, maman, compte sur moi. Et compte sur moi aussi, maman. J'en suis sûre. Ils seront sympas. Oui, ils seront très sympas. Ils étaient nos amis et devenus meilleurs amis. Ensuite, au lycée et à l'université. J'ai hâte, maman. Tu m'as jamais parlé d'eux. Oui, maman. J'ai hâte de découvrir mes parrains. Enfin! Moi, je croyais que ma vie, elle était ennuyeuse. Mais en fait, il y a pas mal de surprises. Ouais, Rose, il y a pas mal de surprises dans ta vie. À venir, bien entendu. Bon, maman, on peut partir? Oui, allons-y. Allez, venez. Maman, tu as oublié tes chaussures? Oui, maman, tu es avec tes pantoufles. Quoi? Oh, comment j'ai pu oublier ça? Heureusement que mes princesses sont là pour me dire ça. Oh, les filles, je reviens. Non, mais c'est pas possible. Je stresse plus que mes filles pour la rencontre de leurs parrains. C'est pas vrai. Allez, c'est parti. Alors, je porte quoi comme chaussures? J'ai pas beaucoup de temps. Je crois que je vais prendre... Ah, c'est bon. Ok, j'avais un peu de temps. Bon, ça y est, je suis prête. Et cette fois, pour de bon. Ça va? J'espère que personne ne nous regarde. Non, t'inquiète, Alexandra. Personne ne nous regarde. Ok, ça va alors. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'on va dire aux filles? J'en sais rien. Ça y est, ok, ça va mieux. Alors, on va dire quoi aux filles? Eh bien, que je suis leur marraine. Salut les filles. Rose et Mia, je vous présente mon cousin et votre parrain, Tom. Ouais, je vais dire salut les filles, salut Rose, salut Mia. Tu crois qu'on aura une préférence? J'en sais rien moi. Miss avait dit qu'elles ont grandi. Et elles sont vraiment des filles responsables. Ah bah c'est bien. Miss, elle les a bien élevées. Ouais, mais il manque encore notre éducation, n'est-ce pas Tom? Oui, ils ont peut-être besoin d'un ami. Ou d'une marraine et d'un parrain bien plus près. Oui, j'ai hâte. Allez viens, on y va. Attendez, je crois que c'est Miss. Hein? Oui, je crois que c'est elle. Alors maman, ils sont où? Oui maman, nous on n'a même pas une photo d'eux. Maman, t'aurais dû garder une photo. Eh bien vous savez quoi? Ils sont là. Eh oh, Alexandra, Tom, regardez. Bon, eh bien Tom,
Allons-y. Miss! Oh, c'est ça! Mes jumelles! Ah, bonjour! 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 Coucou tout le monde! Waouh! Coucou Tom! Coucou Tom! Coucou Tom! Bon, ben, je suis le parrain de deux jeunes filles qui ont grandi! J'arrive pas à croire! Eh oui! Je suis très heureuse de vous retrouver! Nous aussi, Miss, on est très heureux! Je vous présente Rose et Mia. Coucou, coucou. Coucou les filles. Vous êtes magnifiques. Bravo Miss. Elles sont très belles, les filles. Et on n'oublie pas, les jumeaux bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon celui-là. Il s'appelle comment? Lui, c'est Hercule. Je te présente Adam. Il est trop chou. Bon ben, il est où Mani? Il doit être à la maison, à l'heure actuelle. J'espère qu'il a acheté le lit. Bref, on y va, on rentre à la maison? Oui Miss, allons-y. Allons-y, Miss. On est très heureux de retrouver notre petite, plutôt grande famille. Oui, elle n'est plus petite. Bon, eh bien voilà, c'est ici que vont dormir Mani et Tom. Et vous, les filles, vous allez dormir dans notre chambre. Oui, parce qu'il faut dire aux jumelles qu'Alexandra et Tom sont des cousins. Ils ne sont pas mariés. Mais en fait, avez-vous trouvé quelqu'un? Non, tu sais très bien, Miss. Avec ma carrière d'actrice, je n'ai pas le temps pour me marier. Ouais, et moi, avec ma carrière de footballeur, je peux pas moi non plus. J'ai pas le temps. Et voilà les filles, vous avez compris maintenant. Vos parrains sont très occupés. C'était la raison pour laquelle on vous en a pas parlé. On avance. C'était une surprise. Eh bien papa, la surprise, elle est réussie. Oui papa, on adore nos parrains. Waouh, et moi, je vous aime aussi. Mais il faut avoir une préférée. Mais non, arrête de dire des bêtises. Tom, elles sont toutes les deux nos préférées. Je me présente, je suis Alexandra. Et moi, je suis Tom, un footballeur. Et moi, une actrice. Bon, eh bien, qui s'occupe des jumeaux? Moi, bien sûr. J'adore les bébés, ils sont trop mimi. Ok, bon, je vous prépare à manger et ensuite on va dîner tous ensemble. Parlez un petit peu avec notre parrain et notre marraine. C'est une très bonne idée. On y va où? Vers la piscine? Oui, allons-y, vers la piscine. Ici, c'est parfait. Je vais m'occuper d'Adam. Oui, vas-y. Moi, je vais ranger ta valise. Alors Tom, parle-moi un peu plus de ton travail. C'est bien d'être connu. Et toi aussi, Alexandra. C'est bien d'être une actrice. Parce que c'est mon rêve. Oui, écoute. C'est pas mal, mais ça demande beaucoup de travail. Si tu veux, je peux t'apprendre. Bien sûr, je veux tout savoir. Donne-moi des conseils pour devenir une actrice ou même une top modèle. Je peux te donner quelques petits conseils. Tu es intéressée, Mia? Non, pas trop. D'accord, viens ici, Rose. C'est beau ici. Ouh. Ok, j'arrive. À tout à l'heure, Tom. À toute, Rose. Vas-y, dis-moi tout. Genre, vraiment, tout. Très bien, très bien. Alors, il faut d'abord que tu sois passionnée. C'est la chose la plus importante. Hey, Mia, tout va bien? Tu m'as l'air un petit peu inquiète. Tout va bien. C'est juste... quelques petits problèmes. Des choses qui ne vont pas. Sinon, tout va bien, cher Tom. Tu sais quoi? Tu peux me parler. Hop, regarde, Adam. Lui aussi, il peut me parler. Si quelque chose ne va pas bien, tu peux me dire tout. Oui, bien sûr. Je suis très heureuse en tout cas de te rencontrer, Tom. Tu es mon parrain et c'est une surprise de découvrir mon parrain plus jeune que mes parents, peut-être. Mais non, c'est juste qu'on est un petit peu sportif. C'est tout. Sinon, on a le même âge. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien voilà, c'est en fait... Roméo, un garçon de ma classe. Rose est amoureuse de lui, mais lui, il est amoureux de moi. Et je sais plus quoi faire. J'ai pas envie de briser le cœur de ma sœur. Et non plus briser le cœur de Roméo. Donc si tu pouvais me conseiller un petit peu, ce serait sympa. Enfin bref, tu connaîtras peut-être pas les histoires de cœur. Ah oui, je vois. Tu sais quoi Mia, je te conseillerais juste d'écouter ton cœur. C'est tout. Et c'est ça le plus important. Le monde va te suivre si tu écoutes ton cœur. Allez, on fait une bataille. D'oreiller? Oui, si tu veux. Adam, voilà. Attention! Wow! C'est mon rêve! Un jour, je serai moi aussi. Une actrice.
Oui, bien sûr, pourquoi pas, un jour. En tout cas, c'est cool de t'avoir rencontré, Alexandra. Moi aussi, Rose, je suis très heureuse. On partage la même passion. Bon, eh bien, tout le monde est occupé. Du coup, ça tombe bien, moi, je vais préparer quelque chose à manger. Alors, il faut aussi que je mette des choses au four. Ce champignon plus de la farine. Allez, c'est parti. Hop, voilà donc une tarte. On va en faire plusieurs. Parce que c'est un moment heureux avec cette famille. Je suis très contente que les parrains des jumelles viennent les rejoindre. Ils vont peut-être les conseiller et les rendre un peu plus heureuses. Allez, hop. Voilà, nous avons préparé des gâteaux. Est-ce que je peux faire d'autres gâteaux? J'ai pas mal de fraises. Allez, c'est parti. Un gâteau à la fraise. On n'oublie pas de mettre tout ça au four. Voilà, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah bah oui, j'ai ça. Ok, on va prendre ça. On va en préparer deux. Allez, let's go. Hop, et hop. Bon, les gâteaux, c'est prêt. Et si maintenant, j'allais préparer le dîner? Alors, pour le dîner, j'ai besoin de pâtes, un peu d'huile d'olive, et ensuite, on ajoute un peu de fromage. Voilà donc un plat de prêt. Alors, voici donc les assiettes. Hop, c'est pareil, on en prend d'autres. Heureusement que maintenant, je sais cuisiner. Je m'en sors pas mal, je dirais. Allez, on n'oublie pas aussi de prendre de la salade. Un concombre, voilà. Allez, on va prendre un bol. On va mettre tout ça à l'intérieur. Et une feuille de salade. Voilà, notre salade est prête. Allez, on pose ça ici avec ça un œuf. Voilà donc mon second plat. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que je peux prendre du poulet? Hop, un peu d'huile d'olive. Un poulet rôti, c'est cool aussi. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? J'ai plus de pommes de terre. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ce poulet encore une fois. Voilà, l'assaisonner et ensuite prendre une brioche. J'espère que ce sera suffisant pour tout le monde. Voilà, hop, ça nous fait déjà pas mal de plats. Il manque un dernier plat. On va aussi prendre ceci et une fraise. Voilà, hop, ça y est. Bon, bah là, tout est prêt. On va poser ça ici, hop. Reste plus qu'à mettre la table et le dîner est prêt. Waouh, Miss, j'arrive pas à croire. Ça y est, tu es devenue une cuisinière. C'est tellement bon. Et tu as préparé tout ça pour nous? Miss, fallait pas du tout. Tout a l'air très bon. C'est parfait. Oui, et vous avez pas encore goûté à mon poulet rôti. Allez, tout ça c'est pour vous. On commence. Bon appétit tout le monde. Et dites-moi, si j'ai bien cuisiné ou pas? Bien sûr que tu as bien cuisiné. Attends, je vais goûter cette tarte à la fraise. C'est parfait. Et toi, Alexandra, vas-y, mange quelque chose. Bien sûr, Miss. Moi, je vais goûter ces pâtes au fromage. J'adore les pâtes. Cool. Eh bien, tu sais quoi, Alexandra? Nous aussi, on aime les pâtes. Et nous aimons aussi le poulet rôti. Ah oui, ce poulet rôti. Je vais le manger. Oups, désolé. J'ai mangé tout en entier. C'est pas grave. Le principal, c'est de se régaler et de passer un bon moment en famille. Allez, moi, je vais manger ceci. Bon appétit tout le monde. Bon appétit tout le monde. Une tarte. Ça faisait longtemps. Moi, je prends les pâtes. Et moi, je prends ce sandwich. Oublions pas les jumeaux. Allez les jumeaux, on est aussi vos parrains, je vous signale. Alors, pour vous, ceci, c'est bon ou pas? Vous pouvez manger? Ah non, je crois qu'ils n'aiment pas ça. Alors, tu veux quoi, Adam? Peut-être ceci? Fais-moi voir ça. Et ben voilà, ça y est. Oublions pas, Hercule. Alors viens dans mes bras, mon cher Hercule. Oh, tu as moins de cheveux que ton frère Adam. Eh oui, c'est ça la différence. Alors toi, on va te donner ceci. Hop, mange. Il aime bien. Finalement, il y a une famille parfaite ici. Grâce à vous, elle est devenue encore parfaite. Merci d'être venue. Merci d'être venue, mon cher parrain et ma chère marraine. Nous sommes très heureuses de vous rencontrer. Enfin, oui, pour la première fois. Eh bien, nous aussi. Nous sommes fiers d'être vos parrains. Vous êtes
Parfaites les filles, restez comme ça. Vous aussi, restez comme ça, ne changez plus.